CV. Ah, ouais. Ça veut dire que ça tourne, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Merde, bonjour Marcus, bonjour Spencer. Salut les gars. Salut copains, comment vous allez bien? Ah, ça change de ton, hein. Tout de suite, ça change de ton, et les mecs, on est au Hellfest. On est dimanche. Gros soleil toujours, attention, attention, crème à bronzer. Y'a rien à moi. Y'a un groupe grand, moi, du classique crotte. Ça s'appelle Abby. Gaël! Et ouais, Abigail, ils viennent de défourailler sur la grosse scène, là, ça va pas rigoler. Spencer, ça va pas rigoler. Bah, toi, t'as pas rigolé, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'avais le sourire, hein. T'as fait ce qu'il veut. Ça va, les copains? Ah, super, super. Alors, vous avez pris du plaisir ou pas? Ah, ouais, ouais. Très bonne condition technique. Ouais. Gros son. Gros son. J'avais une excroissance au niveau du slip. Il avait. Eh ben! Ah! On fêtait, c'est pas tous les jours. Je suis sûr que c'est pas tellement le style de la maison. Excusez-le. Ah bah oui, excusez-le. Bon. Ici c'est plutôt sérieux, oui. Philosophie, bah, oui. Ésotérie. On plus votre mais... Les mecs, tout ça de classique rock ou de metal extrême? Classique rock. Néanmoins, c'est quand même éclectique. Ouais, j'en ai fait quand j'étais jeune. De l'éclectique. Néanmoins, un bon BMOS. Bon, le groupe il a combien de temps? Pascal, 7 ans maintenant. C'est l'âge de raison. Et sur scène, on entend « Ouais, on est une bande de potes, on est une bande de potes. » Non, non, en fait, on n'a pas dit une bande de jeunes. Voilà, c'est un rôle de composition. C'est fou, en fait. On répète ça aussi, si tu veux. Donc, il y a une mauvaise ambiance dans le groupe. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il paraît qu'il y en a certains qui n'aiment pas picoler, d'autres oui, tout ça. Il y en a qui picolent pour les autres qui picolent pas, en fait. C'est ça, voilà. Ce qui permet de faire une moyenne. Tu veux dire c'est une moyenne ou il y en a qui piquent la part des autres? Mais ils piquent la part des autres. Quand du squelette là, il y en a moins pour nous, quoi. Bon, allez, mecs, c'était votre première Hellfest? Non. Deuxième Hellfest, 2014, scène découverte. Et tu vois, les mecs, ils reviennent quand même. Ils en veulent, hein. Ils s'accrochent. Et on va vous voir, là, tout cet automne et en 2018 sur les scènes françaises. Donc, il y a de la tournée qui arrive. Quelques petits festoches en prévision. Ouais. Ouais, ouais. Puis bon, voilà, la tournée classique régionale aussi. Ouais. Ça continue et on peut trouver un EP. Un 33 tours. 43 tours, 12 titres. Un 45 tours avec deux faces. Il y a même 5 faces. Il y a 5 faces sur le. 45 tours à 5 faces. T'entends ça, Spencer? C'est un truc de fou. Même une cassette, on peut éventuellement faire une cassette. On fait un album Rubik's Cube. Les mecs sont venus. Bon, tiens, puisque vous faites les malins, chacun, vous avez 3 secondes pour me donner votre album culte. Allez, c'est parti. Overkill, Motorhead. I Go To Hell, ACDC. Tokyo Tapes, Scorpion. Iron Maiden, The Number of the Beast. Wow. Et ACDC, Back in Black. Et ben voilà, quelqu'un des nouveaux albums, hein. Que des nouveaux trucs. Cet album-là, qu'on peut trouver combien de titres? 12. Marcus, tu m'écoutes pas. Il m'a embrouillé avec ses 5 faces et ses tranches et ses machins, je comprends rien du tout. Tiens, hé! J'avais une petite question pour Bertrand. On se retrouve tout de suite après ça. Oui. Bertrand, j'avais une question à te poser. Tu as rencontré il y a une dizaine d'années ton héros Glenn Hughes. Et je voulais savoir s'il y a d'autres artistes, d'autres stars que tu rêverais de rencontrer, comme le chanteur de BMOS ou Emmanuel Macronos. Donc écoute, tiens, dis-moi parce que franchement, j'aimerais bien savoir... quels sont tes héros que tu souhaiterais vraiment rencontrer dans l'avenir, voilà. Merci, Bertrand. Question d'Olivier, là, spéciale pour Bertrand. Alors c'est quoi cette histoire avec Glenn Hughes? Ah, Glenn Hughes, en fait, c'est un de mes héros. Et le premier Hellfest que j'ai présenté, c'était en 2007, donc il y a 10 ans. Ouais. Et ben, c'est... Et c'était donc Glenn Hughes. Et pour moi, c'est un dieu. Dieu vivant. Comment? Dieu vivant. Un dieu vivant, tout à fait. Donc, pour répondre à Olivier, que je salue au passage, bah, tous ces chanteurs, hein, j'ai eu la chance de voir Dio plusieurs fois. Bon, Lemmy, c'est... Bon, ça, c'est Dieu, c'est autre chose. David Coverdale, enfin, tous ces chanteurs de classic rock. Et voilà, quoi, c'est... Bon, le kiff sur patte, quoi. Le kiff sur patte. Ok, les mecs, bon, je sais que vous avez du boulot, parce que je sais aussi que tu présentes le fest. Eh ouais, j'ai du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. J'ai le boulanger, voilà. Allez, vous, la coulée douce, là. Chacun sa mère. Il y a des tas qui bossent. Et dans le show, il y a une tradition, il faut absolument qu'on gueule rock'n'roll. J'ai un batteur avec moi. Tu fais le décompte, et on y va. 3, 2, 1... Rock'n'roll! Show, j'ai acheté un album 45 tours, cassette, 4 faces, 5 tranches, 12 titres, ça envoie du pâté classique rock, tout de suite, à bout du live. Et si vous connaissez pas le groupe, Abigail, avec deux B, comme